Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai, l'essai de ma moto bécane AU79 qui est ici. Et comme vous le voyez derrière moi, il y a encore un peu de neige, hein. La neige persiste parce qu'il fait froid, mais ça fait maintenant quelques jours qu'il n'a pas neigé. Mais comme aujourd'hui il fait beau, on a le soleil, on va en profiter pour la tester. Allez, je suis déjà venu avec, donc normalement elle est légèrement chaude, on va essayer de la démarrer. Et voilà les amis, un petit coup de pédale et ça tourne comme une horloge. Ah voilà, superbe machine hein, les amis, vraiment, là on peut le dire, esthétiquement on est vraiment sur une machine, j'adore ce look. C'était les prémices des premières bleues, hein. Et voilà. Et celle-là pour le coup elle tourne, nickel de chez nickel, je l'ai entièrement révisé au niveau partie cycle et moteur. Allez, avant de partir sur la route, la tester, un petit tour ici dans ce pré et dans la neige. Il n'y a pas de souci, hein, la mobilette ça tient même dans la neige, avec les petits pneus, c'est nos problèmes. Et voilà, on retourne donc sur la route. Hop là. Ouh là là les amis, vite vite, on s'arrête. Hop, ça c'est bon. On va mettre en route le smartphone. En effet, on va quand même enregistrer les données de cette machine. Car il faut savoir qu'elle est quand même donnée pour 40 km/h en vitesse maximum à sa sortie d'usine. Allez voilà, l'application activée, on est parti pour un roulage. Chaud, mais c'est bon quand même, putain. On est bien en brel, même l'hiver. Et franchement elle marche du feu de Dieu. Là je suis watt à fond, ça y est on est parti. Elle est bien chaude. Donc là on teste toute vitesse de pointe. Ah ça marche quand même hein. Hop 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 les amis, regardez là j'ai que le frein. Ah. Et voilà, elle freine du feu de Dieu. Il y a une puissance de freinage sur cette machine qui est bien. Alors voilà, je sais peut-être soit bien réglé, bien lavé, bien nettoyé. Mais en tout cas, le freinage est vraiment bon. Allez, voilà les amis, quelques kilomètres d'essai. On va retourner dans notre petit pré de tout à l'heure. Hop, dans la neige. À la cool. Voilà. Et on stoppe. Et ben voilà, parfait, parfait. Super machine les amis, super machine. Alors j'ai hâte de voir les résultats de l'application. On va regarder ça tout de suite, parce que je pense qu'on est pas mal. On n'est pas loin, je pense, de la vérité de ce qui était donné en usine. On a même peut-être fait mieux. Allez, on va allumer ça tout de suite. Je vais regarder, je stoppe, sauvegarder. Maintenant, je vais faire détail. Comment qu'on fait déjà? Là, détail, itinéraire. Moi, je suis un peu perdu, les amis. Voilà, on y est, ça y est, on y arrive. Vitesse maximum de 44 km/h, les amis. On a fait mieux. Qu'est-ce pour quoi elle est donnée? Elle est donnée pour une vitesse de 39,5. Donc j'avais arrondi à 40 km/h. Et on vient de taper un 44 km/h. On n'était pas non plus tête dans le guidon. Donc on doit encore pouvoir gratter 1 ou 2 km/h. Mais voilà, donc là je suis plutôt content. Ça veut dire que j'ai fait une bonne révision dessus. Qu'elle est bien réglée et qu'elle tourne parfaitement. Allez, voilà les amis. Donc un essai concluant de cette AU79. J'espère que cet essai et cette machine vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. Et en attendant, moi je vais aller profiter du reste de la journée, de l'après-midi, pour rouler avec cette machine. Et moi je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.